Salut, c'est Tom et je vais vous présenter cette Fender Rod Worn Black Strat 50s. Alors ce modèle, on a une forme Stratocaster vraiment classique avec un corps en aulne accentué par plein de petits chpocks et des raflures sur le dessus et aussi sur le dessous pour accentuer ce côté vintage. Au niveau du manche, on a un manche en érable, une pièce, toujours usagé sur la touche. On a des frettes jumbo, un poil plus fine que la normale. Derrière, on a un profil de manche en V, toujours usagé, toujours pour accentuer ce côté vintage. Voilà. Au niveau de la tête, tête classique des strates, hein, y a pas de souci. Et on a des mécanique vintage aussi. On va détailler les micros. On a donc trois micros simples bobinage qui sont des Tex-Mex. Voilà, on écoutera tout à l'heure le son. On a trois boutons, donc comme d'habitude, un bouton de volume, deux boutons de tone, un sélecteur, cinq positions. Donc, toujours classique des strats, hein, il n'y a pas de souci. La prise directe sur le côté. Rien de plus classique, un chevalet fixe chromé, donc de chez Fender. Voilà pour cet accastillage. Allez, c'est parti, on commence donc à détailler ce micro chevalet, donc micro aigu. Je rappelle juste que je suis en position volume 10, les deux tonnes à 10, pareil, et sur l'ampli en son clair. On continue avec la position intermédiaire. Alors je rappelle juste qu'on cumule ces deux micros, à savoir donc le micro chevalet et le micro central. Micro du milieu, c'est parti. Position suivante. Alors, pareil, on cumule ces deux micros, donc micro central et micro manche. Et dernière position, micro manche. Alors, je vais vous détailler encore deux, trois petites positions avec un son un peu plus péchu. Alors, on commence par le son chevalet, donc un son un peu plus, donc plus aigu. Et avec pas mal de patates. Hop, on passe tout de suite au micro central, donc plus typé vraiment funky pour vraiment des petites cocottes bien claquantes. Et le micro manche, donc plutôt un poil plus chaleureux et bien sûr un peu plus grave. Alors on passe avec un son un peu plus saturé, donc micro chevalet, c'est parti. Donc on a un son vraiment bien rock, hein, y a pas de souci. C'est fait pour ça. Je passe au micro chevalet, un petit peu pour voir ce que ça donne en solo. Pareil, un son bien chaleureux, assez Fender, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'aime beaucoup personnellement ce micro-manche. Alors, je vais vous faire une petite impro en vous montrant un petit peu quand même la dynamique des micros. Donc, par exemple, ici, je vous fais un petit essai. Je suis à 3-4 au niveau du volume. Et puis, on augmentera progressivement. Voilà, on entend que ça réagit plutôt bien déjà. Allez, c'est parti, en impro. Bon.
Alors en conclusion, cette Thunder, elle a un look très sympa. Le côté vintage est bien réussi grâce aux oxydations et diverses éraflures présentes sur le corps de la guitare. On a vraiment l'impression qu'elle a vieilli naturellement. Côté son, bonne dynamique des micros, ils réagissent très bien. On sera vraiment content de l'avoir et de jouer dessus.